Rebonsoir YouTube. Enfin non, bonsoir. Bonsoir YouTube. Bonne vidéo à vous. Alors. Comment va ta jambe ? Mieux, quand l'antidouleur fait effet. Et la communauté internationale vient de nous annoncer la reconnaissance officielle de l'élection du nouveau président Jamal Sheikh Sharif. Jamal Sheikh Sharif, l'un des plus dangereux chefs de guerre du pays. Toutefois, certaines sources indiquent que Sharif et l'ensemble de son gouvernement ont été assassinés au cours de ce qui semble être une attaque non Tu dois trouver Jamal et l'éliminer. Beaucoup espéraient que le président nouvellement élu Jamal Sharif serait capable de mettre un terme aux hostilités qui ravagent son pays depuis tant d'années. Plusieurs chefs d'État ont déjà exprimé leur indignation devant ce qui leur paraît. Je crois qu'elle va être pas contente. Une abominable exécution préméditée. Tu dois trouver Jamal et l'éliminer. Tu m'as menti. De quoi est-ce que tu parles ? Jamal n'était pas chef de guerre. Il était président. C'était le président élu démocratiquement. Ouais, et alors ? On n'est pas des politiciens, on avait des ordres. Tu savais que je l'aurais jamais tué. Alors tu m'as menti. Bienvenue à la CIA, Judy. On n'est pas des enfants de cœur, au cas où t'aurais pas remarqué. On avait un job à faire et on l'a fait, c'est tout. C'est peut-être juste un putain de job pour toi, ok? Mais je m'amuse pas à liquider les gens parce qu'un connard de Général 4 étoiles me dit de le faire. Qu'est-ce qui se passe? Ok, je dis, écoute-moi, calme-toi, ok? On en parlera quand on sera rentré, d'accord? Tu m'as manipulé. Tu t'es servi de moi pour faire ton sale boulot. Et quelle différence ça fait, Judy? Cet homme était condamné avec ou sans ton aide? J'ai du sang sur les mains. Un gamin a perdu son père à cause de moi. Parce que je te faisais confiance. Parce que je croyais qu'on faisait ce qui était juste. Je suis quoi pour toi, Ryan? Un jouet? Un putain de pantin à qui tu peux faire faire tout ce que tu veux? On traverse une zone de turbulence. Merde! Je perds le contrôle. Judy, arrête, putain, tu vas tous couper. Plus personne ne mentira jamais, Ryan. Judy! Wow. Nathan Dawkins. Ils se sont servis de moi pour tuer tous ces gens. Judy, qu'est-ce qui s'est passé? Je ne savais pas. Je faisais qu'obéir aux ordres. Est-ce que tu es? Est-ce que Clayton est là? Non, je me suis enfuie. Non, tu ne peux pas t'enfuir comme ça. Ils vont te traquer et te retrouver. Tu dois te rendre, Judy, on discutera. Je suis sûr. C'est fini, Nathan. Je veux plus être leur jouet. Tu leur diras bien que s'ils essaient de me retrouver, je les tuerai. Judy, écoute. Dis-leur, Nathan.
On aurait peut-être pu finir le chapitre 1. Ouais, carrément. Sauvé dans la rue, arme récupérée, capture évitée, cathédrale discrètement, c'est bien quand même. Pour le point de contrôle, oui. Puis il y a un truc qu'on n'a pas vu. Après les Navarro, donc c'est de vieux amis. Jody, ma petite princesse. Laisse-moi te regarder une seconde. Incroyable, ça faisait longtemps. Mais t'es vraiment devenue une magnifique jeune femme. T'es plus jolie que jamais. T'as l'air triste, éperdue, comme la première fois que je t'ai vue. T'imagines même pas à quel point tu m'as manqué. Et Aiden, comment il va? Oh, ouais. Content de te revoir, mon vieux. On marche un peu? Oh oui. Je me faisais du souci. Je veux te retrouver. J'ai dû m'enfuir. J'avais pas le choix. Comment va Nathan? Oh, c'est le grand patron maintenant. C'est lui qui gère la DPA. Il a fait un bon bout de chemin depuis l'époque de notre petit labo. Ils ont trouvé d'autres choses sur l'inframonde. Ils ont dépensé des millions pour développer un nouveau condenseur, le plus puissant qu'on ait jamais créé. Évidemment, ça n'a été possible qu'avec le soutien de l'armée. Tu as dit à quelqu'un que je t'avais appelé? Non, bien sûr que non. Pas même à Nathan. J'ai pas intérêt à ce que tout le monde sache que je fréquente une criminelle, pas vrai? Et le truc dont je t'avais parlé, tu as trouvé quelque chose? Le jour de ta naissance, une femme qui s'appelle Nora Gray a accouché à l'hôpital de la DPA. Mais son enfant était déclaré mort-né. Où est Nora maintenant? Les médecins l'ont internée dans un hôpital psychiatrique, juste après son accouchement. D'après son dossier médical, elle est encore là-bas aujourd'hui. Ma mère a passé 24 ans dans un hôpital psychiatrique. Enfin, pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est tout ce que disait le dossier. J'en sais pas plus, désolé. Il faut que j'aille la voir. Jody, je comprends que tu en aies envie, mais... c'est une patiente dans un asile psychiatrique. Tu trouveras peut-être pas les réponses que tu cherches. C'est pas pour avoir des réponses que je veux y aller. Je veux la rencontrer, c'est tout. C'est ma mère, alors c'est normal que j'ai envie de la voir. Si je pouvais la regarder dans les yeux une fois, je saurais qui je suis vraiment. Jody. Elle est dans un bâtiment sous haute protection de la DPA et tu es recherchée par absolument toutes les unités de police de ce pays. Tu pourras pas entrer sans te faire arrêter. Y a rien qui pourra m'empêcher d'y aller. Écoute. Je sais que tu as pris de gros risques pour m'aider. Merci, Cole. Hey. Tu crois
crois quand même pas que je vais te laisser y aller toute seule. Tu m'as pas réinvité? Ok, alors je vais voir ça. J'attends les cinématiques et puis on va voir ça. Il y a quelque chose qui cloche. Aucun garde à l'entrée. Parking est vide. Ça me plaît pas cette histoire. Si je suis pas revenu dans 30 minutes, je veux que tu t'en ailles. Je suis pas venu là pour attendre dans une voiture. Cole, Cole, attends! Bah, je te vois pourtant connecté. Vas-y. Bah alors, tu ouvres ta portière? Il est parti où, lui? Là-bas. Ok. Ça va être coton pour trouver quelque chose là-dedans. Ouais. Et si t'essayais la politesse? Ça marche à chaque fois. Bonjour, je viens voir Nora Gray. Est-ce que vous avez une autorisation? On peut peut-être se passer d'autorisation, rien que pour cette fois. Je sais pas, on pourrait trouver un moyen de s'arranger, peut-être. Désolée, mademoiselle, tous les visiteurs doivent impérativement avoir une autorisation. À part lui faire mal, c'est tout ce qu'il y a, c'est ça? Non, ouais, pas mal. Tout ouvrir. On sait même pas dans quelle chambre elle est. Ah, je vais trouver. Je l'ai trouvé. Nora Gray. 7e étage, chambre 43. Pour l'instant, ça va. La proportion entre lui et elle était bizarre dans l'ascenseur, non ? Trouve un moyen d'ouvrir cette porte. Et quel bouton là? Oh, je suppose que c'est ça. Hein. Jette. Aiden, derrière toi. Ok, ok. Merde! Il faut distraire le garde d'abord. Téléphone ou écran? Lampe, caméra. La radio. Générateur. Ah, ouais, le générateur, en fait, il faudrait qu'il se lève du coup.
Moi, je ferai le générateur pour qu'il se lève et qu'il aille au fond. Génial, Aiden. Ouvre la porte maintenant. Allez, viens. Une caméra. Il y a forcément un truc. Il y a plus de courant. Là, c'est celle que t'as faite tout à l'heure. Ouais. Oh, du coup, c'est bon. Ah, faut que tu ouvres la porte. Au bonhomme. Genre c'est un ça, c'est faut que tu refermes. Non. Censé ouvrir la porte. Je sais pas. Ah, y'a des. Tu peux pas prendre le bonhomme pour qu'il nous ouvre? Celui qui est assis en face. Oh, il est trop loin. Faire du bruit. Ça y est. La table a disparu. Bah alors,
Raiden. Oups. Il s'est cogné. Et si je le relâchais, après il t'aurait vu. Il a foutu caméra. Oh, quelle horreur. Ces cinglés me foutent vraiment les chocottes. On peut pas trouver la chambre 43 et filer d'ici. L'autre il avance un peu. Par contre j'ai vu 44. En face, mais par contre, ouais, là il y a une caméra. C'était combien? 43. Ah, c'est dans l'autre sens. Ouais. Mais lui, il se fait. Chambre 43, j'ai trouvé Jody. Ouais, mais là. Je veux pas atteindre la caméra. Ouais, mais il est chiant parce que là, il est sur pas là. Et... Bah, je sais pas, vu que le courant est coupé là-bas, donc de toute façon, c'est peut-être pas grave. Ouais, mais les caméras, elles fonctionnaient. Hein. Les caméras, la porte, elle fonctionnait donc. J'attends ici. Jody. Il est possible qu'elle soit troublée. Si ça se trouve, elle se rendra pas compte que t'es là. Tu devrais peut-être pas aller lui parler. De la salle de bain, tu peux pas y aller, hein? Elle est où? Là? En tout cas, ça ressemble bien à un hôpital, hein? Je suis ta fille. Aide-moi, Aiden. Jouer, Noah. La mère et le père de cet enfant possèdent tous les deux un don. Vous vous rendez compte de l'importance que ce bébé peut avoir? Non, vous n'en serez pas capable, Noah. Laissez-nous nous occuper de tout ça. C'est pour le mieux, vous pouvez en être sûr. Mais c'est ma petite fille! Ramenez-la! J'ai changé d'avis! Je veux mon bébé! Assez d'attitude, vite! Faites sortir le bébé d'ici! Laissez-moi la voir! Je veux mon enfant! Pitié, laissez-moi la voir!
développe certaines capacités particulières. Prévenez-nous si vous remarquez quelque chose qui vous semble inhabituel. Augmentez la dose. Faites le nécessaire pour qu'elle ne retrouve jamais conscience. Je suis désolée. Je te demande pardon. Tout était ma faute. Qu'est-ce que tu essaies de me montrer ? Détruis cette chose, Aiden ! Détruis-la maintenant ! J'ai eu tellement peur de ne plus jamais te revoir. Tu ne sais pas combien tu m'as manqué, Jody. Tu m'as tellement manqué, ma fille. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais qu'est-ce qu'ils t'ont fait? Ils m'ont donné des médicaments qui m'ont enfermée dans cet enfer. Y a rien, rien que je puisse faire. Non, je vais trouver un moyen de te faire sortir de là. Ils te feront plus de mal. C'est trop tard, Jody. C'est trop tard. Je veux que tu saches que je t'aime plus que tout au monde, Jody. Et rien ne pourra changer ça. Hop, il a piqué le collier. De quoi ? Il a piqué son collier. Tu m'entends pas ? Et moi, je t'entends pas. Moi, je t'entends pas. Bon, non. Et là, si tu parles, ça fait quoi ? Bon. Je sais pas, elle a demandé qu'on la tue ou pas. Je sais plus. Ouais, bah fais, hein. On va pas la laisser comme ça. Hein. Encore dans Discord. Ok.
Et moi, le mien, du coup. Parce que t'as quand même dit que tu m'entendais pas, mais est-ce que c'est que le tien ou... Problème de connexion. J'ai quitté, je suis en train de redémarrer. Ouais, ça fait que de tourner aussi. Tout quitter, relance et vérifier l'utilisation des mises à jour, et voilà. Ouais, bah j'ai le même souci. Connexion chat aussi qui me paraît être. Qui tourne en bas. Juste au-dessus. Oui, ça veut dire qu'on n'a plus de connexion. Bon. J'ai rien non plus. Chelou. Bon. Et du coup, j'ai plus de Discord ouvert. Merci, Victor. C'est que pour moi, ça va. De pouvoir parler en avec tes jeux. Ouais, ouais, on peut. Je peux parler sur le. Mais ouais, ça veut pas se reconnecter pour l'instant. On continue le jeu quand même? Comme tu veux. Bienvenue sur le chat. Mais Discord, il veut pas. C'était quoi ça? Ah, c'est toi qui bouge le menu. Tu t'es reconnecté à Discord? Non, je... Ok. Mais c'est moi le jeu. J'étais pas dessus. Bon, on va faire comme si tout allait bien. Attends, je remets quand même mon truc, moi. Puis, bah, Discord, je sais pas. Il va pas se connecter non plus. Il nous reste une petite vingtaine de minutes pour faire une heure. Bon, c'est joli en tout cas. Ouais. Par contre, c'est le bureau de qui là? Je sais pas, mais. Ouais, c'est ce que j'essayais. C'est pour ça que je t'ai donné la main pour voir si tu pouvais le lire de mieux. J'essayais de lire autour, mais j'y arrivais pas. Ça s'est reconnecté. Bah attends, je vais revoir le mien. Bah le mien pas encore. Ok. Attends, je vais mettre le Discord par là parce que. Par contre, je te laisse surveiller s'il y a quelque chose qui se passe. Ah bah ça y est, je suis là. Et toi, t'es là? Tu m'entends? Non. Là, tu m'entends? Oui, là, je t'entends. Ah, c'est bon, on a tout récupéré. Bonjour. Je pense pas avoir grand chose à faire ici.
chercher s'il y avait quelque chose. Un petit souvenir ou quelque chose comme. Non, c'est des bonus. C'est des bonus. Sacré bonsaï hein, quand même. Hein. Ouais. Deux identiques. C'est des faux bonsaï. ouais, ça va avoir deux arbres identiques. Ouais. Ça s'appelle des clowns, non? C'est pas ça? Bon, alors, du coup, il écrit quoi? Département off. Paranormal. Activity. National. Défense. Laboratoire. Donc, du coup, c'est le bureau de l'autre, là, de... ton... pas de substitution. Oh, y a... tu peux passer là? Ouais, t'as vu la boule à neige, c'est la même que l'autre, hein. Ouais. Et du coup, toi, t'as rien à faire avec la boule à neige, non? Non, je te demandais si t'avais un truc à faire avec la boule à neige. Attends, du coup, faut que je remette mon truc correctement, j'ai oublié. Bon. Et y'a rien derrière la bibliothèque, y'a pas un bouquin surprise. T'as essayé de rentrer dans les murs? Mais du coup, je sais pas pour l'instant ce que j'ai à faire, moi. On va prendre la porte. Entrez. Ok. Ouais, et plus gros que la dernière fois. Le condenseur le plus puissant qu'on ait jamais créé. Impressionnant, pas vrai? Nathan. Jody, je suis content de te voir. Si tu savais comme j'ai eu peur qu'il te soit arrivé quelque chose. Ouais. Arrête de la baratiner.
tu as l'air épuisé. Mais en tout cas, tu es en vie. Allons dans mon bureau, tu veux? Eh bien, je t'en prie, assieds-toi. Comment tu te sens? J'ai déjà connu mieux. Faut dire que le coup que j'ai reçu sur la tête n'a pas aidé. Je suis vraiment navré, je leur ai dit de ne pas être trop violent. Mais ils ne voulaient pas te laisser une chance d'utiliser Aiden. Où est Cole? Il est chez lui, il va bien. Il t'a aidé, mais ne t'inquiète pas. Je te promets qu'il n'y aura pas de conséquences pour ce qu'il a fait l'année dernière. Oui, oui, bien sûr. Qu'est-ce qui est arrivé à ma mère, Nathan? Nora était instable. Alors les médecins avaient peur qu'elle soit un danger pour elle-même et pour son bébé. Ma mère m'aurait jamais fait de mal. Il ne voulait pas courir de risques. Écoute, à l'époque, je bossais à la DPA en tant que chercheur. Je n'ai découvert que bien plus tard ce qui s'était passé. Pourquoi tu ne m'as rien dit? Coucou, bienvenue à monsieur... 1, 2, 3, bienvenue monsieur Tony Skip. Et toute ton armée. J'ai voulu te le dire, je te le jure. Comment allez-vous, monsieur? J'attends la fin de la cinématique et je m'occupe de toi. J'ai essayé de veiller sur toi. Je t'ai aimé. J'ai fait tout mon possible pour te protéger. Bonsoir, Robit Joufflu. Bonsoir, Charès. Et maintenant? Tu comptes me renvoyer à la CIA? C'est ça ton plan, Nathan? Ils t'ont amené ici parce qu'ils voudraient que tu fasses quelque chose pour eux. Ils t'en seraient très reconnaissants si tu acceptais de t'en charger. Tu me demandes de venir en aide aux personnes qui ont essayé de me tuer? C'est vraiment ça que tu me demandes, Nathan? Écoute, Jody, je vais t'expliquer. Pourquoi je devrais t'écouter? On va bien, on va bien. Tu m'as raconté des mensonges sur ma mère et sur mes parents. Tout ça pour quoi? Le fric? La soif de pouvoir? La célébrité? Arrête! Tu sais aussi bien que moi que c'est faux! Non, j'ai l'impression de plus rien savoir. On sait qu'il y a un autre pays qui vient de découvrir l'inframonde. Son gouvernement pense qu'il peut le contrôler et le manipuler. Il risque d'être complètement dépassé par les événements. Tu sais ce qui se passerait si des entités entraient dans notre monde, Jody? Qu'est-ce que tu veux que ça me fasse? Ça me regarde pas! Parce que tu connais l'inframonde mieux que n'importe qui. C'est le boulot de la CIA. C'est plus mon problème. Bon, t'as fini de parler? Ils veulent te proposer un accord. Tu leur rends ce service. Et ils te libèrent pour tout bon. Je dis, tu sais ce qui se passera si quelqu'un ouvre un passage. Ce sera une véritable apocalypse. Tu es la seule qui ait le pouvoir d'empêcher ce malheur. Mais tais-toi, langue de vipère. Hop, voilà, je peux m'occuper de Tony maintenant. Alors... Non. Hop là. Qu'est-ce qu'il nous fait? Il nous fait que ça marche pas. Ça a bien marché tout à l'heure le truc avec le clip. Ah, j'ai encore une connexion au chat. Bon, c'est encore quoi ce bazar? Vous nous entendez au moins ou on a perdu complet là le... Et là c'est j'écris là.
Là, il est passé mon message. Aïe 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 aïe. Encore quoi, c'est bizarre. Je crois qu'on va s'arrêter là. Hein. Bon, apparemment, Chacha, ils ont du son. Non, bah, je crois qu'on va s'arrêter là, ça bug de partout. Là, il vient de se passer, en tout cas. Je sais pas si on s'y a le clip ou autre, mais ça s'affiche dans le chat. Ouais, il s'est affiché, mais je vois rien. Bah, moi, ça vient de s'afficher là. Benny Obi Duflu. De toute façon, ce sera arrêté dans 10 minutes. Ouais, allez. Bon. Il y a le briefing, mais du coup je peux pas mettre stop à part. Oui, il y aura toute la vidéo. Bon, et ben on va se quitter sur une vidéo. Selon nos dernières informations, le Kazakhstan a découvert l'existence de l'inframonde. Ils ont trouvé une faille et ils font des expériences à partir d'une base secrète située dans la province du Feilongjiang. On ignore encore à quel stade ils en sont de leurs expériences, mais on a enregistré d'importantes fluctuations qui semblent venir de l'inframonde. Ça signifie qu'ils arrivent à interagir avec l'autre côté. Votre mission est de détruire ce condenseur ainsi que toute autre technologie avancée. Même si on arrivait à détruire le condenseur, la faille serait toujours là. Il faut beaucoup de temps et d'argent pour parvenir à en développer un. Grâce à cette opération, nous essaierons d'étudier davantage l'inframonde dans l'espoir de mieux le comprendre, et nous nous assurerons que personne ne s'en servira contre nous. J'imagine que le site est placé sous haute protection. Vous devez vous attendre à affronter des forces militaires importantes. Votre équipe, du moins. Mon équipe ? Fais-les entrer, Marla. Salut, ma belle. Ça faisait longtemps que... Jackie Chan, il est revenu. Pardon. Oui, l'équipe de Clayton va vous accompagner. C'est un petit commando capable de passer inaperçu. La mission commence dans 2 jours. Bonne chance. Fais attention, Johnny. On n'a aucun moyen de savoir ce que tu vas trouver. T'inquiète pas. Je suis pas prête à rejoindre l'inframonde pour l'instant. Tant mieux. Parce que je n'ai pas envie de te perdre. Arrête de faire le mielleux, c'est toi qui fous la merde. Oh, j'ai envie de lui mettre des claques à celui-là. Content de te voir. Pour le bien de la mission. J'essaierai d'empêcher Aiden de t'exécuter. Mais je te promets rien. Bon. Eh ben, je vois que ça commence bien. C'est pas Jackie Chan là. Je commence à en avoir plus qu'assez. Si vous refusez de coopérer, je serai dans l'obligation de vous tuer. Je n'ai pas le choix. Enfin, je vais vous tuer, quoi qu'il arrive. Mais votre mort pourrait être rapide et indolore. À la place, vous allez vivre une agonie très longue et extrêmement douloureuse. Je vous le demande pour la dernière fois. Pour qui travaillez-vous ? Aiden. Où est-ce que t'es ?
Ils sont tout blancs là. Ça fait un peu mal aux yeux. C'est complètement désert ici. T'es sûr que c'est là? On est exactement au-dessus des coordonnées. La tempête devient plus forte. Qu'est-ce qu'on fait maintenant, Ryan? Jody, est-ce qu'Aiden peut trouver un abri quelque part? T'as entendu, Aiden? Bon. On s'arrête à Aiden. Ouais, donc du coup, on t'entend pas. Là. Je t'entends pas du tout sur Discord. Ah, je suis pas revenu, moi. On va revenir quand même pour que tu puisses dire au revoir. Ah bah non, je suis pas connecté. Ouais, il va falloir que tu te mettes... Il va falloir que tu te mettes sur le micro. Je suis revenu, wouhou. Pile poil pour que tu puisses dire au revoir. Dans cette neige. S'il te plaît, trouve-nous un abri, Aiden. Attends. On va faire ça. Voilà. Du coup, on va s'arrêter là. Parce que c'est le gros bazar. Au revoir et merci d'avoir regardé YouTube. Malgré tous les problèmes, si vous êtes réussi à finir la vidéo. Au revoir YouTube. Et à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.